Bienvenue dans notre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Doja Niaye, c'est parti. Adou Takesh, Hailey Bieber, Kim Kardashian, les meilleurs looks du Met Gala 2022. Les spéculations allaient bon train lors de l'annonce du thème du Met Gala 2022, que peut donc bien signifier Guild Glamour, le dress code de la soirée. Pour certains, cela ne faisait aucun doute le terme renvoyé au New York de l'âge d'or. Pour d'autres, il évoquait plutôt le style bling-bling du début des années 2000. Mais dans un cas comme de l'autre, difficile de se tromper, le thème laissait une belle marque d'interprétation aux invités, libres de le personnifier de mille manières, ce qu'ils ont clairement fait hier soir, en faisant appel aux meilleurs créateurs du moment ou en portant des looks vintage d'exception. Comme toujours, le tapis rouge s'est ainsi peuplé d'une foule recouverte de bijoux opulents, de longues traînes, mais aussi de tenues de plus extravagantes les unes les autres. En raison du nombre impressionnant de looks tape à l'œil, le thème s'y prêtait particulièrement cette année. Les célébrités ont dû déjouer les conventions pour sortir du lot cette année. C'est le cas de Dakota Johnson qui porte certes quotidiennement du Alejandro Michel, mais dont la combinaison aux franges pailletées fut du bel effet hier soir. Aux tenues sublimes et spectaculaires, la tenue marmite d'Erika Badu, les rideaux de perles associés à un costume et un chapeau haut de forme DIY, mais au-delà des glamours, les enjeux de durabilité ont occupé une place toute particulière cette année. Les nombreuses célébrités ayant choisi de porter du vintage, les meuses de Nicolas Guesquière et Yoann Jung, Emma Stone ou encore Cynthia Erivo se sont toutes affichées avec des pièces d'archives Louis Vuitton, tandis que le ton modèle Adou Takesh arborait une robe Christian Lacroix vert émeraude de Shrimpton Couture avec l'allure divine qui est la sienne. L'activité du vintage était un leitmotiv hier soir et le moment fort en la matière fut sans aucune doute signé Kim Kardashian. La télé-réalité est apparue dans la robe Jean-Louis portée par Marilyn Monroe en 1962 lorsque chanta « Happy Birthday, Mr. le Président John Fitzgerald Kennedy ». Une leçon de style et d'histoire qui incarne à la perfection l'esprit de cette soirée d'exception. La marque de l'africaine de la maroquinerie haute gamme. Alors que la mode africaine est en pleine évolution, l'Afrique voit éclore une marque de maroquinerie haut de gamme hors du commun. Maraz ayant esquissé ses premiers pas il y a une dizaine d'années, Maraz, mode africaine revisitée de A à Z, séduit par l'originalité, la durabilité et le chic de ses produits. Les modèles Maraz se démarquent par la haute qualité, la souplesse des matières, le confort et la finesse des finitions. La marque a façonné sa singularité avec humilité en se plongeant dans le partage des savoirs ancestraux des maîtres artisanaux. À travers chaque création de chaussures ou de sacs à main se cache une histoire ancestrale, une histoire d'identité de nos peuples, une recherche retracée jusqu'à nos royaumes africains des siècles passés. Des formes, des couleurs, des objets font de nos traditions de luxe africain le souffle de son inspiration. Avec Maraz, la maroquinerie porte un message. Maraz, une sensation unique, celle de porter l'identité africaine. Maraz arrive à Abidjan avec la ferme intention de continuer à valoriser ce savoir-faire africain du cuir et le mettre au service des populations d'Afrique, proposer des produits d'une élégance certaine, d'une qualité exceptionnelle, d'une finition et d'un raffinement qui n'ont rien à envier aux marques internationales. Affirmer une élégance est une exigence africaine qui leur ressemble. Conquérir une clientèle abidjanaise réputée pour son exigence et son attachement aux grandes marques internationales est un défi sur mesure pour Maraz. Attirer l'œil par la beauté et l'esthétique, séduire par le toucher du cuir sélectionné avec un grand soin, gagner le respect en offrant des finitions impeccables et inspirer un nouveau désir, Maraz redonne à la maroquinerie africaine toutes ses lettres de noblesse.
Nous voulons inscrire nos collections dans des références culturelles profondes. Les Africaines sont conscients des potentiels des industries créatives à notre continent. Ils ont envie de consommer autrement. Il nous faut être à la hauteur de la qualité et de la créativité qu'ils attendent. 10 looks festifs de Annie Idiba, star de la série Young Famous in Africa. S'il y a bien 3 mots à retenir dans Young Famous in Africa, c'est opulence, glamour et mode. Ces 3 éléments ont joué un rôle majeur dans cette production sud-africaine à succès. Si les dames se sont distinguées par leur décolleté plongeant, leur robe moulante, leur ensemble embelli, leur couleur et leur volume, les hommes n'étaient pas en marge de ce champ lexical fashion. Mais la rédaction a décidé de mettre la lumière sur l'une des vedettes de la série, Annie Idiba. Annie, femme d'affaires nigériane, originaire de Lagos au Nigeria, elle a commencé à jouer la comédie dès son plus jeune âge et fait aujourd'hui la couverture du magazine imprimé de Glamour. Tout comme dans la série, elle arbore des looks plutôt audacieux et colorés, telle une vraie modeuse Naija. Zoom sur les 10 looks festifs qui nous ont captivés. Tendance à essayer en main. Vos faux locks, vous les aimez courts, moyens, longs ou très longs. Bien que vous portiez vos tresses, il arrive que vous ayez envie de changer de la traite classique couleur noire ou encore des techniques de tresse. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'explorer plusieurs modèles tendances, les passions twist, les tresses ondulées, les relâchées ou encore la frange. De plus, lorsque vous optez pour des mèches naturelles ou la sensation que vous portez de vrais dreadlocks, à propos des faux locks naturels, pour celles qui ont envie de les adopter selon les experts en la matière, les locks naturels présentent un double avantage. C'est l'idéal pour reprendre de la longueur et tenter de nouvelles coiffures. Vous souhaitez faire de belles coiffures, mais vous en manquez d'inspiration. La rédaction a la solution pour vous. Nous avons sélectionné 10 nouveaux styles de coiffure faux locks pour terminer en beauté le mois d'avril et aborder le 5 mois de l'année. Zoom. C'est tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Doja Ndiaye. À la prochaine. Et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye.